Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo je pense un peu particulière. Je me lance à dire dans un vlog couture. Oula, j'ai l'impression que là ça va résonner. Je suis désolée pour le son, je vais peut-être m'approcher un petit peu. Je me lance dans un format de vidéo que j'ai encore jamais fait. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui. En fait, je suis en congé pour quelques jours. La petite est à la crèche. Mon conjoint est en déplacement pour le travail. Donc, autant vous dire que je pense en profiter pour faire un petit peu de couture. Et donc, je me suis dit voilà, que c'était l'occasion de vous tourner ce genre de vidéo vlog un peu, voilà, comme on peut trouver. Moi, je sais que j'adore regarder ce type de vidéo. Donc, je me suis dit voilà, c'était peut-être l'occasion de le faire. L'idée étant, ben, voilà, de, entre guillemets, de vous emmener dans mes quelques jours, je l'espère, de couture, ou en tout cas mes quelques heures de couture. Voilà, vous faire découvrir un peu, bah, je ne sais pas comment je travaille, je n'irai pas jusque-là. Mais voilà, un peu voilà, quand je couds, vous emmenez avec moi. D'habitude, les séances couture sont assez courtes pour prendre le temps de coudre. Enfin, bon, là, je raconte n'importe quoi. Elles sont assez courtes pour prendre le temps de filmer en même temps. C'est vrai que je sais que ça prend du temps. J'ai conscience de tout le travail que ça représente. D'ailleurs, je remercie s'il y en a qui passent par là. Notamment chez Lauriane, du boudoir de Lauriane, où j'ai regardé sa vidéo. Elle nous avait emmené dans son week-end créatif. Voilà, j'adore, moi, comme je dis, regarder ce type de vidéo. Et je sais le travail que ça peut représenter. Donc j'espère aller jusqu'au bout et que vous verrez ces images et les images qui vont suivre derrière. Voilà, comme je dis, je vais tourner ça, je pense, en mode un peu impro. Je vais pas forcément refaire 50 prises, sinon on s'en sortira pas. Et je me dis aussi, voilà, c'est le côté, en tout cas moi je sais que c'est le côté naturel que j'aime bien dans ces vidéos. Vraiment l'aspect, j'ai l'impression de partager un peu les moments couture, les moments créatifs des personnes dont je regarde les vidéos. Donc je vais essayer de tourner ces vidéos dans le même esprit. Donc là, bah pour commencer, en fait, on est dans mon atelier. Alors, je vais vous retourner après la caméra pour que vous puissiez voir. Alors, je vous préviens, il est en chantier. Enfin, en chantier. Pas en travaux, hein, mais en foutoir, on va dire. Parce que, bah voilà, comme j'y suis assez peu, en général, c'est aussi la pièce dont je me sers pour faire le repassage ou autre. Donc, voilà, vous allez voir ça tout de suite. Attention. Donc, voilà mon atelier. Donc, comme je vous dis, c'est une pagaille monstre. En théorie, ici, à ma table de coupe. Donc, là-bas, il y a mon bureau avec mes machines. Là, il y a une étagère avec, en théorie, du rangement. Donc, comme vous pouvez le voir, je pense que je vais d'abord passer un petit peu de temps à ranger. Je pense que je profiterai de vous faire justement une vidéo peut-être atelier tour. Je pense que ça peut vous intéresser. Et peut-être aussi une petite vidéo focus sur ma table de coupe que j'avais construite l'année dernière quand on a emménagé dans la maison. Et donc je vous ai pas dit que pareil, ce qui est intéressant je trouve dans ce type de vidéo, c'est à chaque fois de donner le temps, parce que sinon bah une fois que c'est monté on vous rendez pas compte du temps qui peut se passer. Donc là on est lundi matin, il est, je rends ma montre, 10h10. Donc comme je vous dis, j'ai d'abord une petite session rangement. Et après, je pense que je vous montrerai les projets sur lesquels je veux avancer, les projets que je veux terminer. Et l'idée, bah, de faire un petit bilan, peut-être à la fin de tout ça, de voir si j'ai pu faire. Après, comme beaucoup, je pense, j'ai une longue liste, plus longue que le temps que j'ai malheureusement. Mais voilà, l'objectif, c'est d'essayer d'en faire en tout cas un maximum. Il y a vraiment des projets que je veux solder. Donc je vous retrouve, comme vous voyez, j'ai pu un petit peu débarrasser ma table de coupe. J'ai laissé à minima les encours. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai plusieurs encours que je veux. Alors je pense que je vais avoir ma tête de coupée, mais sinon j'arrive pas à trouver l'encre. Ah si je me mets comme ça. Ah si je me mets comme ça, ça fonctionne. Bref, donc je disais, il y a minima quand même des projets que je veux terminer. Donc là, j'ai deux t-shirts que je veux terminer. Il y a avec des jolis petits motifs avec des chevaliers, des dragons et tout. C'est pour mon fils, pardon, et mon neveu. Donc ils sont déjà assemblés au niveau des épaules. J'ai monté les manches et il faut que je monte les encolures. Donc ça, c'est du bord-côte. Voilà, en fait j'ai coupé du bord-côte, mais je pense que je me suis trompée dans les dimensions quand j'ai coupé, ça c'était trop long, enfin bref. Parce que c'est des modèles octobre et il n'y a pas écrit la...
de mémoire la dimension de la bande en coulure. C'est à vous de la calculer. Donc enfin, voilà, j'ai l'impression de les avoir fait deux fois trop grandes quand je les ai coupées. Donc bref. Là, normalement, je pense qu'elles sont bonnes. Donc à minima, il faut que je termine. Que je termine ces deux projets. Et un autre projet que je veux absolument terminer, il s'agit de la veste icône. Là, j'ai tous mes papiers qui s'envolent, c'est pas grave. Donc la veste icône, là j'ai le livre explicatif que je vais vous montrer. Voilà, en fait c'est un sweat, normalement le sweat cardigan icône d'Atelier Scamit. Alors je pense que vous le voyez à l'envers parce que je tourne en mode selfie. Et donc moi je l'ai fait, bref, je vous en parlerai je pense un peu plus dans un podcast, sinon la vidéo, le vlog va durer 3 jours. En fait, il me manque à poser la fermeture éclair. Poser la fermeture éclair et après faire les finitions qui vont bien au niveau de l'encolure avec la capuche là et du bas. Mais tout le reste est fait, il y a même, vous voyez, le bout du biais là qui dépasse pour bien finir. Donc il y a ça que j'aimerais quand même terminer parce que j'aimerais la mettre, même si c'est plus trop la saison. Mais à minima quand même qu'elle soit profitée, voilà, d'avoir un peu ces quelques jours de congé un peu tranquille. Ça... Et dernier gros projet qui est plus récent mais que j'aimerais aussi terminer. Donc, vous voyez, elle est j'allais dire en morceaux. Il s'agit de la veste bleuée, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, le blazer bleuet de Crafting Mercerie. Donc là c'est mon premier, je pense, vraiment gros projet avec un col tailleur et tout. Alors elle n'est pas doublée. Mais voilà, c'est quand même un gros projet pour moi parce que j'ai jamais cousu, je pense, de projet aussi technique. Donc là, j'ai commencé à monter le col tailleur avec les... Je l'ai assemblé au parementure. Donc en théorie, il me manque à finir le col, bien le placer, la faire au niveau des quatre coutures. Enfin bref, tout est franchement, tout est super bien expliqué sur le tuto Crafting. Mais à faire ça et à monter les manches de mémoire, le reste c'est fait. Si je regarde, ça il me manque assemblage final et les manches. Donc normalement, enfin pareil, j'ai bientôt terminé, mais ça va quand même je pense prendre un certain temps. Donc ça c'est dans les projets, on va dire, les en cours que je voudrais terminer. Et sinon, je sais pas si vous allez la voir, je vais vous la pousser. Attirer, pardon. Voilà, là. Vous voyez, ça, c'est une pile de jersey. J'avais fait une commande de Dressenstoffen, long comme le bras, j'en avais pour une centaine d'euros, qui est quasiment que des jerseys. Et j'aimerais quand même, en coudre peut-être quelques coupons. J'avais pris exactement les mesures que je voulais. Donc, par exemple, 70 cm pour en faire un t-shirt, 1m10 ou 1m20 pour en faire des trucs à manches longues. Vraiment pour limiter les restes au maximum. Et voilà, j'ai mis sur le dessus les coupons que j'aimerais coudre, soit des t-shirts Dresd, soit des givres, voilà, des modèles assez rapides à coudre. Mais voilà, toujours pareil, le temps n'est pas extensible, j'ai pas non plus des journées monstres. Même si ma fille est à la crèche, faut quand même que j'aille la chercher après cet après-midi et que je m'en occupe la soirée. Et j'ai aussi quand même des choses à faire dans la maison pendant que mon conjoint n'est pas là. Allez, on est parti. Donc je pense que je vais commencer par la veste bleuée parce que j'ai ma machine à coudre et ma surjeteuse donc hop, voilà, qui sont là-bas. Donc j'ai ma machine à coudre et ma surjeteuse qui sont montées en bleu, exactement le bleu du tissu. Donc voilà, je vais continuer. Si je vous redresse, est-ce que ça fonctionne mieux? Peut-être que vous me verrez mieux, je vais peut-être moins me pencher. Ah ben voilà, c'est bon! Excusez-moi, je ne maîtrise pas encore la partie réalisateur des vlogs. Bref, voilà, je pense que je vais continuer sur ce projet à minima pour ne pas avoir à changer les fils, surtout les fils de ma surjeteuse. Je pense qu'après, je la monterai en blanc, voire si je suis vraiment moniomaniaque en bleu pétrole, pour finir les t-shirts pour mon filleau et son petit frère, mon neveu. Voilà, je vous emmène avec moi. Donc là j'espère la finition de mon blazer bleu.
essayage de mon premier col tailleur. Voilà, alors normalement il est fini, j'ai fixé les cols. Là je suis un peu déçue, voilà, je pense qu'on voit la doublure. Bon, c'est peut-être en repassant bien comme il faut là, je pense, mais j'ai mal piqué, je pense, à cet endroit-là. Enfin bref, de ce côté c'est mieux, là ça se voit. Voilà, sincèrement, c'est... Comme je dis, c'est mon premier col tailleur. Je suis assez quand même... hop, je sais pas si vous voyez derrière. Bon, de toute façon, je vous montrerai un peu mieux. Mais voilà, je suis quand même assez satisfaite du résultat. Si je vous le remonte, vous voyez la doublure. Bon, je vous le montrerai un peu plus de toute façon. J'espère en faire un podcast. Mais voilà, bon, c'est une première. Faut bien commencer. J'avoue, j'avais pas du tout envie de faire une toile en me disant que si je faisais une toile de cette veste, je pense que jamais je l'aurais. Donc voilà, on va dire que ça serait une toile portable. Et puis, ma foi, hein, comme qui dirait, moi je le verrai. Bon, ça se voit. Je sais que ça se voit. Hein, mais bon, bref. Voilà. Moi, je pense que je la mettrai quand même. Allez, on continue. Maintenant, j'attaque le montage. Le montage dimanche. Je vous retrouve, il est 14h20 pour être précise. Donc ça y est, j'ai fini de monter la veste bleuée, enfin le blazer bleuée. Donc j'ai monté les manches, alors j'ai eu beaucoup de mal à gérer l'embut derrière. J'avoue, c'est quelque chose que je déteste faire. Donc, ça fait des petits plis, des petites fronces, mais bon, il y avait tellement d'embuts que je pense que c'était difficile de faire autrement. Au moins, ça a le mérite d'exister. Mais voilà, elle est quasi finie. Donc, je suis plutôt contente. Maintenant que j'ai quasi terminé donc ma veste bleuée, je vais m'attaquer à essayer de terminer mon sweat icon. Alors, j'ai fait une version un peu bâtarde. Je ne sais plus d'où est-ce que je m'étais inspirée. Je vous essaierai de retrouver. Parce que j'avoue que ça fait, je pense, peut-être un an et demi que je l'ai commencé. je pense, parce que je crois qu'on n'avait même pas encore déménagé que je l'avais commencé, après avec la grossesse et compagnie, bref, je ne l'avais pas forcément terminé. Donc là, j'aimerais quand même finir. J'ai commandé plusieurs fois en fait la fermeture éclair, parce qu'à chaque fois, enfin plusieurs fois, ça n'avait pas été la bonne dimension, à chaque fois c'était trop court ou autre, donc voilà, j'avais un peu galéré. Donc là, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir terminer, sachant qu'il me reste vraiment que la pose du zip. Et donc pour cela, j'ai mis, en plus donc du livret explicatif, en fait, Atelier Escamite propose des vidéos qui expliquent en fait, on va dire, tout le montage de ses patrons. Donc voilà, j'ai pris ma tablette et j'ai mis la vidéo. Donc l'avantage, c'est qu'il y a des chapitres, donc on peut facilement retrouver l'étape qu'on veut. Donc là, c'est ce que j'ai fait, je suis allée directement à l'étape montage du zip, qui est la dernière. Donc j'espère pouvoir finir ça et ne pas y passer voilà, trop de temps et trop galérer dessus. Mais bon, on croise les doigts. Alors, sans mentir, je pense que ça fait une demi-heure, mais une demi-heure, que je galère à essayer de raccourcir ce fichu zip. Parce que, je sais plus, bref, la préconisation de la créatrice. Mais voilà, comme je vous dis, j'avais commandé 50 zips différents. Du coup, je me suis dit, je vais en commander un plus long. Hop, comme ça. Et puis, je vais le raccourcir. Genre, ça va être simple. J'avais vu, je crois que c'est une vidéo d'SB Création qui expliquait comment faire ça. Bref, j'avais vu ça il y a quelques temps. Ça fait une demi-heure que je galère pour réussir à obtenir ça. Alors, c'est tout moche, c'est tout effoncé, enfin bref, c'est tout abîmé. Voilà, j'ai réussi à le raccourcir, alors pas de beaucoup, hein, parce que, ouais, si quand même, un petit peu. Mais voilà, je vous montre, vous voyez, le champ de bataille. Et je suis quand même allée sur, même la grosse pince. Hein. J'avais des petites pinces comme ça, là, dont je me servais quand je faisais des bijoux. Mais voilà, je suis allée chercher la grosse pince. Voilà, j'ai réussi tant bien que mal à enlever là les petits... je sais pas si vous allez réussir à voir là les petites dents là, bref. Du coup, je pense que j'ai à peu près réussi un côté. Maintenant, il me reste le deuxième.
Voilà, comme je dis, je pense que je suis à deux doigts d'abandonner ce hoodie. Alors, c'est plus un hoodie finalement qu'un cardigan, qu'une veste. Mais voilà, vraiment, je le continue parce que le tissu, il est vraiment... Et je l'aime beaucoup. Ça, c'était un tissu, je crois que c'est un Punta Milano, non, peut-être Roma, que j'avais de Dresden Sofen, que j'aimais bien. Et le sweat, c'est un peu de molleton là, de Benitex, qui est franchement tout doux. J'adore la couleur. C'est la seule raison pour laquelle je m'efforce à essayer de le finir tant bien que mal. Mais là, j'avoue que même raccourcir le zip, je sens que je vais en avoir pour la journée, quoi. Bref, on continue ? Donc ça y est, j'ai réussi tant bien que mal à raccourcir la fermeture éclair. Du coup, ça y est, je l'ai posé tout le long. J'ai fait aussi, hop là, quelques points à la main pour fixer en bas. Et j'ai également fait, voilà, ici, alors c'est pas très heureux pour l'instant, mais voilà, des petits points à la main pour bien finir, voilà, enfin essayer en tout cas de bien finir au niveau de la fermeture. Et donc là, je vais faire l'autre côté, pareil, des petits points à la main, et ensuite je viendrai en fait finir la surpiqûre ici, que j'avais faite là pour maintenir le biais. Voilà, je viendrai la finir, hop, jusque dans la fermeture éclair, histoire que ça soit le plus propre possible, malgré... Voilà, malgré toutes mes mésaventures. Donc je vais faire tout ça. J'ai préparé, là je sais pas si vous allez voir, voilà, mon aiguille, mon fil, mes petits ciseaux. Et je vais faire tout ça devant, dans ton abbé. Allez, c'est parti pour un peu de couture à la main. Il est 4h20, enfin 16h20, j'ai terminé mon sweat icône. Voilà, donc comme je dis, je vous en parlerai pas forcément très en détail puisque c'est pas l'objectif de la vidéo, mais j'espère pouvoir tourner un petit podcast justement là dans ces prochains jours avec tous les encours que je termine. Mais voilà, il est fini, donc j'ai voilà, essayé tant bien que mal de finir à peu près proprement l'encolure. Je sais que la capuche, voilà, hein, comme j'ai dit, je vous en parlerai dans un podcast dédié. Mais voilà, j'ai fini. Je pensais faire une surpiqûre le long des coutures, comme c'est le cas sur les hoodies que j'ai du commerce. Mais voilà, pour l'instant, je ne la fais pas. Je pense que je vais la porter. Alors, pas trop en ce moment, je pense, au vu des températures qu'il fait. Mais voilà, je vais la laisser comme ça. Je préfère ne pas faire de surpiqûre et potentiellement me dire finalement il en faut une, que d'en faire une et de me rendre compte qu'en fait bah, c'est pas bon quoi. Mais voilà, en tout cas je suis contente de mon deuxième encours de terminer. Ça, comme je disais, ça fait peut-être un an et demi qu'il est commencé. Là il est temps pour moi d'arrêter ma session de couture pour l'instant. Il va quand même aller chercher le petit monstre à la crèche. Et avant ça, bah, pour tout vous dire, je voudrais quand même prendre une douche, hein, parce qu'il faudrait quand même penser à se laver. Et voilà, j'espère pouvoir m'y remettre un petit peu, enfin revenir dans mon atelier une fois qu'elle sera couchée. Voilà, je pense que je la couche à peu près vers 20h normalement, donc on verra. Sinon, on se retrouve bah, demain matin, enfin demain. Bonjour, ce matin, je vous retrouve. Il est 10h05, 10h10. Je vais pouvoir m'attaquer un petit peu à de la couture, sachant que j'ai à peu près une heure, on dirait une grosse heure devant moi. Hier soir, j'ai donc coupé mon pull. Enfin, mon pull t-shirt Renan, il est ici. Donc, t-shirt t-shirt manche courte dans mon jersey. Je vais pas forcément coudre ça tout de suite parce que j'aimerais faire des leggings pour ma fille. Elle en a besoin, on va dire maintenant, parce que ça grandit très très vite à cet âge-là. Des leggings en taille 9 mois, parce que ceux en 6 mois sont vraiment petits. Et finalement, voilà, avec le temps qu'il fait en ce moment, je me dis que pour en acheter, alors même si
J'achète quasiment tout sur Vinted de seconde main. Je me dis finalement presque le temps que je trouve ce que je veux sur Vinted, que je les commande, que la personne les expédie et que je les reçoive. Voilà, il va se passer au moins une semaine et limite ce sera trop tard. Et regardez dans mes magazines octobre. Je ne suis pas abonnée à octobre, mais j'en ai acheté quelques-uns, soit quand ils sortaient voilà, en kiosque, soit j'en ai acheté aussi des années précédentes sur Rascol. Voilà, j'en ai peut-être 4 ou 5, histoire d'avoir, je pense, un échantillon un peu de tous les patrons. Et j'ai trouvé alors deux leggings dans deux octobre différents. Ils sont quasiment les mêmes, je pense. Il y en a un qui va du 50 au 86, l'autre du 62 au 98. Et je pense que c'est simplement comme c'est des basiques, on peut les retrouver dans pas mal de magazines. Donc je sais pas trop, je vais peut-être taper aller dans le 50, peut-être dans celui-là, il faut bien choisir. Donc ce sera le octobre printemps, donc le 1/2019, celui-ci, et c'est le modèle Lala, donc le numéro 6. Vous voyez, c'est un legging, mais alors tout ce qu'il y a de plus simple, il y a une pièce à décalquer et 56-57, si je vous le montre porté, qu'est-ce que ça donne? 56-57, oui, bon, on voit pas grand chose, hein, voilà, ça doit être ce petit legging là. Bah, vous voyez, c'est vraiment tout bête. Je pense que je vais le décalquer, l'avantage ce sera rapide, sachant que ma fille fait 70 cm, donc le 6 mois qui est normalement 68 cm, en tout cas dans le commerce c'est un peu petit, donc là je vais faire je pense la taille 74. L'idée étant que ça lui aille, même si ça lui va un petit peu trop grand, un petit peu trop long, au moins ça lui ira, je pense, pour l'automne et à minima l'automne et peut-être l'hiver prochain, ce sera toujours ça de gagner. Donc je vais décalquer ça et je pense quand même en une heure avoir le temps de découper et j'ai des chutes en fait de jersey. Alors j'en ai quelques-unes ici. Hop, non, ça c'est pas une chute. Alors regardez, j'ai du jersey rouge bordeaux, on va dire pareil, hein. La couleur ça va être une horreur, rouge bordeaux et j'ai normalement, alors ça c'est pas sûr, je suis pas sûre que c'est une chute, est-ce que je l'ai cousu finalement là-dedans? Bon je vais voir, j'ai du ocre comme ça, j'ai quoi encore, faudrait que j'aille voir dans mon stock de jersey. Parce que ça c'est pas des chutes, alors je vais pas taper dedans. Ah si, mais j'ai des chutes de ça. Si ça c'est des chutes de ce que j'ai coupé hier, je peux l'utiliser. Ça devrait rentrer, alors j'aurais bien aimé plutôt lui faire un t-shirt, mais pas sûr que le t-shirt y rentre. Je regarderai si j'ai pas un t-shirt, un modèle de t-shirt dispo. Manche courte dans octobre, ça c'est des, non ça c'est du hiver. Tiens, dans été, est-ce qu'il y a un t-shirt tout bête, façon couleur américaine là? Il n'y a pas de bouton ni rien avec en couleur américaine, c'est pratique. Non, il n'y a pas forcément 62-92, non. Mais je crois que j'en avais dans un... Hop, il est là. J'en avais déjà décalqué un. C'était un Burda, c'était celui-là. C'est un Burda 2016 que j'avais acheté à l'époque quand mon filleul était né. Je lui avais cousu l'éléphant, là, je ne sais plus. Je crois que vous l'avez déjà montré, l'éléphant. Attendez, page 28-29. Ouais, je sais, je divague. Mais regardez, je lui avais cousu cet énorme éléphant. C'était son cadeau de Noël. Mais il me semble qu'il y avait un t-shirt à l'intérieur que j'avais déjà décalqué. Je ne sais plus la taille que j'avais faite. Bébé. Voilà, page 12. En 62-86. Faudrait que je retrouve tout ça. J'avais fait ce petit t-shirt là comme ça. Là. Et je crois que je l'ai, attendez. Parce que justement, je l'ai récupéré. Mais voilà. Ah bah attendez, il faudrait que je lui essaye à ma fille. Parce que. Voilà, regardez ce que j'avais fait pour mon neveu à l'époque. C'était pas tout mignon. Oui, parce que bah, depuis il a grandi, hein, forcément, il y en a en 2016. Et du coup, mon beau-frère et ma belle-sœur, ils nous ont passé toutes leurs affaires. Alors, vous voyez, ça s'était un petit peu usé à l'époque. Là, le biais, il avait fini par s'user. Mais il faudra que je regarde la taille que j'avais faite.
Parce qu'en plus, franchement, c'était de la super bonne cam, enfin, c'est de la super bonne qualité. Mais à l'époque, j'avais pas de surjeteuse, donc j'avais fait des trucs comme ça. Mais c'était finalement pas si mal fini que ça. Mais ouais, à la limite, faudra que je lui essaye. Alors, quelle taille c'était? Attendez. Ah, tant qu'à faire, je vous garde. Hein. Ça, c'est mon classeur enfant. Oui, il faudra que je vous fasse une vidéo sur vraiment sur la table de coupe, sur mon organisation, si ça vous intéresse. Alors, grande ours, Roma, mon seau, boomer, short, boomer court, voilà, t-shirt. Je l'avais fait en taille 70. Ah ben, en taille 70, ça va lui aller. C'est 70, mais elles sont bizarres les tailles burda, non? Ça va de la taille 62-86. Alors, c'est quoi les tailles? Bah, attendez, je l'ai perdu le modèle. C'est le modèle. On a dit le modèle 623. 623, c'est la taille. Bon, c'est pas du tout la taille 70. Ah mais non, mais ça c'est le t-shirt fait main. C'est un autre, parce que j'en ai fait un autre aussi. Elle est où? J'ai perdu l'autre. Je l'ai perdu. Ah, parce que je l'avais fait lui aussi. J'avais fait ce petit t-shirt là, avec une patte de boutonnage, mais c'était des pressions. J'avais mis des pressions cam, alors qu'il faut surtout pas mettre des pressions cam sur du jersey. Ce qui fait que je suis même pas sûre que ma belle-sœur et mon beau-frère il l'ait mis. En même temps, ça me vexerait pas parce que, regardez, il était pour le coup, là, le tissu était de beaucoup moins bonne qualité. Ça devait être un truc que j'avais dû acheter au marché. Mais regardez, à l'intérieur, c'était tout moche, quoi. C'était tout moche, tout mal fini. Il y a des trous, ça se rire. Bref, j'avais fait des ourlets, je crois, minuscules. Enfin, bon, en même temps, c'était 2016. Je crois que 2016, c'est vraiment les premiers vêtements que je cousais. Donc, vous voyez, je crois, ouais, je m'étais vraiment mis à la couture quand je lui avais fait sa gigoteuse pour mon neveu, pour sa naissance. C'était février 2016. Donc, vous voyez, voilà, c'est vraiment mes débuts en couture. Mais du coup, celui-là, franchement, il est top. Faut vraiment que je lui essaye parce que, bon, je lui mettrai pas forcément pour la crèche parce que, voilà, il est quand même un peu abîmé. Mais c'est dommage. Parce que pareil, si je décalque la taille 74, on est d'accord que ça peut le faire, la taille 74. Mais par contre, ça m'embête. J'ai pas le boomer, le top comme Claudine. Ouais, si j'avais décalqué le top truc, le short, la jupe, boomer 2 ans, baby monceau, robe chasuble, robe de Roma, gilet grand douce. Cordoba, ben non, ben alors ben non, c'est pas prénom. J'ai goûteuse, avant que je l'ai mal rangée, mais non, ça c'est le fameux éléphant, la baleine, le coussin nuage. Vous voyez, je garde tout quand je fais comme ça, au moins après si je refais, mais le baleineau. C'est après les poupons. Ouais, j'ai mis aussi les trucs pour les poupons. Ben, je ne sais pas. Bon, ben, c'est pas grave. En même temps, il y a trois pièces, trois ou quatre pièces, sachant que je vais pas lui faire le. Je vais pas lui faire la poche. On m'a dit que c'était le modèle 623. Ouais, voilà, il y a trois pièces à décalquer, quoi. Le dos, le devant et la manche. Donc, je pense que je vais décalquer ça en taille 74, à défaut de pouvoir retrouver ça. Parce que 68, ou alors, si. Ce qui serait mieux, c'est que j'attends. Je pense que ce vlog, il va durer, je pense qu'il va durer une heure et demie à la fin. Parce que même en montant tous les rushs, là, même en faisant du montage. Bref, c'est pas grave. Vous mourrez hein, pendant un certain temps. Je vais peut-être d'abord lui essayer. Ou alors, ce que j'ai dit, je me perds dans mes pensées. Soit j'attends qu'elle rentre de la crèche ce soir. Je lui essaye celui-là pour voir comment il lui va. Et voir si je fais
la taille 74 ou bas. Je sais plus la taille que j'avais faite. En même temps, l'avantage, c'est que je pourrais superposer les pièces pour voir la taille que c'était. Donc, soit je lui fais cette taille-là, mais je pense... Ouais, je sais pas. Soit je compare avec des t-shirts que j'ai du commerce, qui sont censés être en taille 68, par exemple, pour voir si ça correspond. Parce que 74, je crois que c'est du 12 mois dans le commerce. Si je dis pas de bêtises. Bref, faudrait que je regarde. Donc soit je fais ça, mais si j'ai envie de coudre un peu, lui coudre là les trucs aujourd'hui, vous allez me dire, en même temps, si je fais déjà les leggings ce matin, sachant que il est déjà 10h20, bon, je vais voir ce que je peux faire. Parce que l'idée, c'est que pareil, si je fais... C'est ça. C'est que si j'ai des coupons, l'idée est de pouvoir tout couper en même temps. Et je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais comparer avec un t-shirt que j'ai du commerce, qui lui va, à la limite, peu importe si c'est du 68 ou du 74, qui lui va, ou au contraire, peut-être qu'il commence à lui être un peu trop petit, et du coup, ça me dira qu'il faut que je fasse la taille au-dessus. Je vais faire ça. Donc il est presque 11h10, il est grand temps je pense de m'arrêter, aller me préparer et partir, je dois partir vers 11h30. Du coup j'ai décalqué le t-shirt Burda, donc j'ai regardé la taille là sur le t-shirt, enfin comparé le t-shirt avec un t-shirt du commerce et je pense que c'est une taille 68. Parce que ça fait à peu près la même taille que le 6 mois que j'ai du commerce. Donc j'ai décalqué la taille 74 pour être sûre que ça lui aille. Et c'est un t-shirt en fait qui a des manches courtes et des manches longues. Du coup j'ai aussi décalqué les manches longues en me disant que je pourrais lui faire des trucs à manches longues pour l'automne prochain. Et j'ai coupé deux leggings, un dans un... jersey, alors c'est un jersey un peu plus épais je pense pour là, maintenant ce sera trop chaud mais pour cet automne dans lequel j'avais fait mon top Raquel que je pense j'essaierai de vous présenter dans un prochain podcast et c'est un jersey je pense c'est peut-être plutôt un French Terry je pense que ça s'appelle comme ça et là dans un jersey rouge là que je vous ai montré tout à l'heure donc vous voyez ça fait comme des grandes pièces hein. Enfin grandes c'est pas non plus, je pense que quand on le fait dans du 3 mois c'est vraiment tout petit mais après quand on commence à taper dans le presque un an. Je pense que ça fait quand même déjà des grandes pièces, tout est relatif, hein. Mais voilà, ça faut quand même des grandes chutes. J'ai pas réussi à caser là dans ma petite chute grise, mais peut-être que le t-shirt en manche courte, je réussirai. Mais j'essaierai peut-être ça cet après-midi. En attendant, il est temps d'y aller. Hello, je vous retrouve. On est donc toujours mardi, il est 16h20. Je me remets un petit peu à la couture, j'ai encore un petit peu de temps devant moi avant d'aller chercher la puce à l'école, voilà, non, pas encore à l'école, à la crèche. Là, je vais finir de décalquer, donc d'ajouter les marges de couture, parce que c'est décalqué, mais d'ajouter les marges de couture et de décalquer le t-shirt manche courte, manche longue de Burda. Et je pense que j'aurai le temps, mais de commencer à coudre les deux leggings que je lui ai coupé, ils sont tous les deux dans les rouges, donc ça tombe bien, je monterai ma surjeteuse en rouge, et il me semble, ouais, il me reste encore un petit peu de rouge, du borcote aussi, du borcote pardon, du, ouais, ce que j'appelle le French Terry là, donc un petit peu de rouge, je vais essayer d'y couper un t-shirt, peut-être manche courte ou manche longue, je verrai, allez, mais si j'y rentre un manche longue, c'est du 12 mois, ça peut être utile. Et j'ai un tout petit bout là de bleu. Donc je sais pas ce que je vais réussir à y rentrer. Ou alors. Ouais, voilà. Peut-être que j'y rentrerai quelque chose, je sais pas. Sinon, j'essaierai là dans le gris que je vous avais montré tout à l'heure, là où c'était trop. Enfin, j'en avais pas assez pour y rentrer un legging, mais peut-être qu'un t-shirt ça suffira. Je sais pas parce qu'il faut quand même pas mal de. Il faut quand même de la hauteur. Vu que c'est une encolure américaine, là les trucs un peu brassières. Bon, je vais voir. Sinon, ce que je porte, un t-shirt dressed encolure col V que j'avais fait dans un jersey de viscose de chez Benitex. Voilà, que je trouve super joli. Très 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 sympa et surtout hyper agréable à porter. Allez,
c'est parti pour finir de décalquer et je l'espère un petit peu commencer à coudre les leggings de ma puce. Allez, on y va! Bonjour! Alors ce matin, je vous retrouve. Donc on est mercredi, il est 9h. À peu de choses près. 8h57 pour être précise. L'objectif étant, je pense, de pouvoir coudre encore un peu ce matin. Et puis après, cet après-midi, il faudra quand même que je fasse encore des choses pour la maison. Voire de la couture pour la maison. Pour mes projets, on va dire, perso. Puisque j'ai, entre guillemets, ce que j'ai cousu pour... fait des choses pour ma fille. Finalement, hier, alors je sais plus si j'ai filmé. Non, je crois pas parce que mon téléphone était plein. Ça voulait pas transférer vers mon ordinateur. Enfin bref. Des soucis informatiques, mais ce matin ça va mieux. Hier en fait j'ai coupé, ça je crois que je vous l'avais montré, legging t-shirt. Donc j'ai commencé à assembler, là il faut que je fasse les ourlets, mettre un petit élastique. Donc ça c'est les petits pantalons en taille 74. Donc des comme ça, j'en ai deux à faire. J'ai aussi des petits t-shirts. J'essaierai peut-être de faire celui-là, qui est du même tissu, donc pendant que ma surjeteuse est montée en rouge, sachant que je laisserai pas très longtemps de toute façon ma surjeteuse en rouge, je vais la monter en blanc, parce que j'aimerais vraiment finir les t-shirts pour mes neveux, parce que sinon c'est pas compliqué, hein, les enfants ça grandit tellement vite que si on met 6 mois pour faire des habits, les tailles sont déjà trop petites. Donc il y a ça que j'aimerais faire et surtout, en fait, j'ai fait un petit point rapide, on va dire, sur ma garde-robe d'été et j'ai plein de choses, enfin j'ai, surtout pour l'été, on va dire, j'ai quasiment tous mes vêtements qui sont cousus main. Je porte beaucoup de jupes l'été, des jupes souvent en fait qui sont à motifs et je remarque que j'ai plus beaucoup de hauts pour aller avec. J'avais pas mal de t-shirts du commerce qui étaient assez clairs, qui étaient blancs ou couleur crème, que j'ai réformés. S'ils étaient vraiment super vieux, ou même si c'était les premiers trucs que j'avais fait main, et bon voilà, le tissu était pas top. Du coup, voilà, il me reste plus grand chose pour mettre avec, parce que voilà, beaucoup, je pense peut-être comme beaucoup d'entre nous, pas mal de motifs, et après les motifs ils vont pas forcément ensemble. Et comme j'ai pas spécialement envie non plus de m'habiller en arlequin, voilà, donc ça c'est tout pour aller au boulot. À la maison, j'ai quand même pas mal de choses, j'ai tous mes tops lucettes et tout que je mets très souvent. D'ailleurs ce matin, avant que j'oublie, je porte mon top Narcisse de Anna Rose Pattern que j'avais fait dans une viscose du marché et qui ma foi a super bien tenu. Et en bas j'ai toujours mon short manège que j'avais hier aussi je crois, enfin voilà, tout qui est indispensable de ma garde-robe. Bref, donc pas mal de choses. Oui, que je... l'idée voilà, était de pouvoir essayer de coudre, mais clairement j'aurais pas le temps, hein. On va pas se leurrer, je n'aurais absolument pas le temps de tout faire, mais peut-être à minima de lancer des choses. Après voilà, ça prend le temps que ça prend, mais par-ci par-là, si j'arrive à grappiller quelques minutes de couture, de coudre des débardeurs, mais typiquement voilà, des top Narcisse ou des calcium, mais en tissu uni. Donc il faut que je fasse le point sur les viscoses, parce que par contre ouais, j'aime bien les coudre en viscose. Le polyester l'été, je suis, enfin de manière générale je suis pas très fan du polyester et encore moins l'été, en tout cas pour les hauts, pour les bas à la limite. Donc il faut que je fasse le point sur mon stock de ce que j'ai, parce qu'il est bien entendu hors de question que je rachète du tissu. J'avais fait une grosse commande, je vous avais montré tout à l'heure la dernière fois de jersey en chaîne et crame, j'en ai plein, donc il faut juste que je fasse le point sur les choses qui peuvent être unies ou en tout cas pas trop à motif, pas trop marqué pour aller avec mes jupes. Et sinon, hier soir j'ai coupé un top calcium justement et une jupe dresse dans un tissu. Attendez, je vais vous montrer une chute. Enfin, quand je vous dis une chute, c'est une chute, hein. Voilà ce qu'il en reste dans ce tissu. Donc c'est de la viscose que j'avais acheté au marché, que j'ai depuis hyper longtemps, que je veux coudre chaque été. Donc là je me suis lancée. Oui, je sais, j'ai dit qu'il fallait que je couse des choses unies et pas très à motif. C'est pas logique, on est d'accord. Voilà, je pense que je ne suis pas la seule couturière à être comme ça, à essayer de se raisonner et puis finalement à des fois, voilà, partir, enfin des fois, très souvent, partir sur des coups de cœur.
Mais voilà, ça au moins ils sont coupés. Je vais peut-être pas les coudre tout de suite. En fait, c'est que je voulais faire un top calcium dedans. Et comme ben, j'avais assez de tissu, j'y ai rentré une jupe de reste. Voilà, la jupe, elle sera pas cousue tout de suite. L'idée d'avoir les deux en même temps, c'est peut-être aussi de pouvoir faire une sorte de fausse robe avec le top calcium rentré dans la jupe de reste élastiquée. Bref, encore pas mal de choses à faire. Je papote. Mais voilà, donc je vais faire un point sur les tissus, essayer de coudre les quelques trucs pour ma fille. À minima, les leggings, les t-shirts, elle en a moins besoin, parce qu'au final, j'en ai quand même pas mal acheté. Mais les leggings, ça, elle en a besoin. Et puis voilà, ma foi, hein, on va y aller, je vous emmène avec moi encore aujourd'hui. Et puis après, on verra. Allez, on y va! Donc c'est bon, je suis allée faire un tour dans mon stock magasin de tissus. J'ai trouvé quelques tissus, enfin des chutes. Alors j'ai trouvé déjà cette chute. Et quand je dis une chute, c'est vraiment une chute. Je suis pas sûre d'y rentrer mon débardeur. Mais dans ce tissu, c'est un tissu d'une crafting box, mais il y a des années, dans lequel j'avais cousu un top hippie. Voilà, donc vous voyez, il m'en reste une assez bonne chute. Mais voilà, c'est au niveau de la... Déjà, bon, je pense que je vais être obligée de le couper dans l'autre sens. Quoique non, voilà, je sais pas, je garantis pas de rentrer dans la hauteur. Bon, on teste. Sinon, j'ai trouvé des tissus unis. J'ai trouvé ce tissu dont je me souviens, parce que franchement, pour le coup, je me souviens toujours de tous mes tissus. Hein. Ça, j'en ai beaucoup, mais je m'en souviens. Celui-ci, donc, qui est un petit peu texturé. Je sais pas si vous allez réussir à voir à la caméra. Qui est assez lourd, qui est, je pense, comme une sorte de crêpe plutôt. Donc pour le coup, ouais, je pense du polyester, mais bon, je vais tenter. Alors j'en ai quand même un bon métrage, mais voilà, je vais essayer d'y couper vraiment un débardeur. Je pense que je ferai un narcisse. Est-ce que je fais un narcisse? Parce que voilà, j'en ai déjà fait plusieurs. Je sais qu'ils taillent bien. Il me semble, de toute façon, ils sont coupés exprès pour faire des coutures anglaises en plus, donc ça fait des finitions très propres. De mémoire, le patron ne propose pas cette finition, mais c'est moi qui l'ai faite, enfin qui est coupée plus large, voilà, pour pouvoir faire. Donc je pense, voilà, que je vais faire dans celui-ci, et tout le monde, il restera de quoi faire un autre projet peut-être pour l'hiver. J'ai trouvé donc de la viscose noire, hein, toute simple. Oula, ça sature à mort, mais voilà, de la viscose noire, ça c'est des chutes, hein. De la viscose bleu marine, ça j'y avais cousu un pantalon Saiki à l'intérieur, donc pareil, c'est une chute. Tout ça vient du marché, ces deux tissus là et j'ai trouvé ce tissu, alors je pense que c'est de la viscose, mais dans un vieux rose. Il est tout froissé, hein, par contre, comme il sort direct de mon stock, je ne l'ai pas encore repassé. Un vieux rose, celui là je pense qu'il vient de chez Benitex, je pense pas l'avoir acheté au marché, celui là Il vient de Benitex, mais alors il y a des années. Hein. Quand je dis des années, c'est peut-être il y a 4-5 ans. Donc je serais bien entendu incapable de vous donner la référence. Mais voilà, je trouve que ça peut faire sympa aussi un vieux rose comme ça. Et j'ai descendu également de la viscose blanche pour pouvoir faire les parementures de celui-ci, si j'y arrive, de celui-ci. Parce que j'aime bien voilà, les parementures, les faire plutôt dans de la viscose unie, ça je trouve apporte moins d'épaisseur. Celui-là, je pense que je ferai de toute façon, enfin ces deux-là, je ferai les parementures dans les mêmes tissus. Voilà, j'en ai, je pense, pour jusqu'à l'année prochaine à vouloir faire tout ça. On va quand même, voilà, comme je dis, l'idée c'est à minima de couper. Et après, en me disant, ben voilà, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, essayer d'avancer et de les terminer le plus tôt possible. Voilà, allez, c'est parti! J'ai presque fini les petits pantalons pour ma fille, donc en taille 74. J'ai passé l'élastique, j'ai laissé exprès la coulisse ouverte et l'élastique, je ne l'ai pas piqué puisque je veux lui essayer sur elle. Voilà, voir comment ça va. Là, il me paraît en fait bien grand
J'ai l'impression que ça fronce quasiment pas le pantalon. Donc voilà, je vais lui essayer sur elle ce soir. Sinon, voilà, j'ai fait les petits ourlets en bas. Alors j'avoue, voilà, c'est pas forcément très 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 heureux en termes de finition. Là, l'aiguille, elle s'est un petit peu prise dans le tissu. Enfin bref, il y en a un endroit m'a mis un petit trou qu'il faut que je thermocolle. Bref, voilà, ce sera bon. Dire des leggings pour aller à la crèche ou même pour rester à la maison. Qui de toute façon finiront tout tachés, plein de purée et tout ce qui va bien. Mais voilà, je suis plutôt contente. Franchement, ce tissu, je le trouve super canon. Voilà, je suis contente d'avoir utilisé mes chutes. Il ne me reste plus qu'à l'essayer sur elle. Et ensuite, donc, je terminerai ici. Et sinon, bah, je vais m'attaquer à ce tissu coupé. Là, j'ai sorti mon patron là, du Top Narcisse 2.0, donc Anna Rose Pattern. Je vais m'attaquer à ça. Allez, on continue. Je pense que niveau optimisation de coupon, on est plutôt pas mal. J'ai posé le patron du Top Narcisse sur le reste de mon coupon sur ma chute et ça passe, mais je pense à peu près au millimètre en haut et en bas. Donc ça, en tout cas, c'est le dos que je vais couper dans la partie la moins large. Et après, là, le reste du coupon là-bas, il est un petit peu plus large. Donc le devant, je pense que ça devrait rentrer. En tout cas, voilà, je suis assez fière. Allez, on y va, on coupe. Il est presque 13h30. J'ai avancé tout à l'heure sur donc mon Top Narcisse que voici. En fait, j'ai assemblé pour l'instant simplement le dos et les devants en couture anglaise et j'ai également préparé les bretelles, voilà, qui sont déjà faites. Il me restera à entoiler les parementures, donc qui sont là, qui sont coupées. Donc entoiler les parementures, les assembler, les fixer, enfin les assembler au corps avec les bretelles et à faire l'ourlet final. Mais je ne vais pas faire ça cet après-midi, enfin cet après-midi. Je ne vais pas faire ça tout de suite. Je veux absolument finir les deux t-shirts pour mes neveux. Comme je l'ai dit, ça faisait partie de mes objectifs couture dans ces quelques jours. J'ai toujours pas avancé dessus. Donc voilà, je vais vraiment m'atteler à ça. Puisqu'il me reste à mettre les bandes d'encolure. J'espère que cette fois-ci, elles seront à la bonne dimension. Donc assembler, enfin gros, faire l'encolure, assembler les côtés et faire les ourlets. Je ne pense pas en avoir pour très longtemps si tout se passe bien. Sincèrement, je pense que si les bandes d'encolure ne sont pas à la bonne taille, je ne sais pas si j'aurai le courage de recalculer, de redécouper tout ça. Je croise les doigts de ne pas m'être trompée. J'ai monté ma surjeteuse en blanc. Donc ce sera bon. Je ferai aussi là, les petits bouts, enfin les coutures d'assemblage des bandes d'encolure en blanc. Tant pis, même si j'ai les cônes de cette couleur. Voilà, l'enfilage de ma surjeteuse n'est pas spécialement compliqué, c'est pas quelque chose que je déteste faire. Enfin voilà, moi, j'ai rarement des problèmes avec ça. Voilà, c'est entre guillemets perdre du temps sur le peu de temps que j'ai. Donc faire ça, et en fonction de l'heure qui sera, si j'ai encore un tout petit peu de temps, j'avancerai sur. Enfin, je commencerai la couture de mon sweat Renan, enfin sweat, de mon t-shirt Renan manche courte. Voilà. Après, je pense qu'il sera grand temps d'aller faire autre chose et d'arrêter cette parenthèse de couture. J'avoue, ça faisait très longtemps que j'avais pas autant cousu que ça et ça fait du bien. Mais j'ai quand même pas mal d'autres choses à faire. En tout cas, encore quelques instants couture et ensuite, eh ben, il sera temps de s'arrêter. Allez, on y va! Thank you.
j'ai enfin fini les deux t-shirts pour mes neveux. Donc c'est tous les deux les mêmes. Comme ça au moins je me suis dit il n'y aura pas de jaloux. Donc avec ce tissu petit dinosaure, l'encolure en bordcote. Voilà, donc lui il est en taille de mémoire 92, ce qui mesure 90 cm de ce que m'avait dit mon beau-frère. Et celui-ci, vous voyez, c'est exactement les mêmes. Celui-ci, je l'ai fait en taille 128, puisque il mesure, je crois, 124 ou 125 cm. Bon, je l'avais noté, mais bref, voilà, de mémoire 124 ou 125 cm, donc j'espère que ça leur ira. Je vais essayer de leur apporter tout à l'heure, faut que je vois s'ils sont chez eux, si je peux passer. Donc en tout cas, j'ai atteint, je pense, plusieurs quand même des objectifs que je m'étais fixés lundi matin, puisque j'ai terminé donc les deux t-shirts pour mon neveu, enfin pour mes neveux. J'ai cousu, ils sont là, deux leggings pour ma fille, donc celui-ci et celui-ci en taille donc 74. Il faut juste, voilà, comme je vous ai dit, que j'ajuste l'élastique, mais ça j'attendrai de l'avoir, enfin de l'avoir avec moi. Voilà, de pouvoir lui essayer. Sincèrement, c'est vraiment ultra rapide à coudre. Donc je pense que j'en referai pour l'hiver prochain, parce que je couds quand même pas mal de jersey, enfin pas mal, voilà, j'aime bien coudre du jersey, parce que je porte pas mal de t-shirts, que ce soit en pyjama ou l'été avec des shorts ou autre pour rester à la maison. Et j'ai toujours des chutes en tout cas dans la, enfin rarement j'utilise toute la laisse, donc je me dis dans le restant de la laisse, je pense que ça peut rentrer parce que ça demande quand même assez peu de hauteur. Ou quand j'ai, oui, ou quand j'ai des tissus où je suis obligée de prendre 1 mètre, par exemple chez Benitex, ça se commande minimum 1 mètre, alors qu'en général je les rentre plutôt dans 70 cm mes t-shirts manches courtes. Donc voilà pour la couture enfant. J'ai coupé aussi voilà les t-shirts, vous voyez, alors pour le coup j'ai juste encollé, enfin pas encollé mais mis du droit fil là sur l'encolure, je ferai ça plus tard. Donc j'ai encore de quoi faire pour les enfants, puisque j'ai coupé donc deux t-shirts, enfin un t-shirt manche longue et un t-shirt manche courte ici pour ma fille. En termes d'encours, j'ai dit que je voulais finir ma veste issue du patron Icône. Donc malgré la chaleur, je vous la réenfile. Je ne sais plus si je vous l'avais montré, entre guillemets, portée. Mais hop, voilà. Là, comme je dis, j'essaierai de vous en faire un podcast. Mais voilà, elle n'est pas du tout de saison au vu des températures qu'il fait. Mais voilà, j'en suis très contente. En tout cas, le tissu est franchement top. Mais voilà, elle sera en tout cas métable dès que les températures redescendront, ou pour les soirées fraîches cet été. Et le dernier encours que j'ai terminé, je sais plus où j'ai mis. Voilà, je l'ai mis ici. C'est donc ma veste bleuée. Ou comme je vous ai dit, il faut que je fixe l'encolure et que je m'occupe de la boutonnière. Mais sinon quand même le gros effet, j'avoue que je suis peut-être pas forcément ultra motivée pour faire ça tout de suite, parce que bah j'aurais pas forcément l'occasion de la mettre tout de suite. Enfin en tout cas pas dans les prochains jours je pense. Mais voilà, en tout cas je suis contente des encours que j'ai pu terminer. Je m'en suis créé d'autres, bien sûr, puisque j'ai coupé donc un top Narcisse qui est là, que j'ai, vous voyez, qui est ici. J'ai coupé également donc un pull, enfin un t-shirt pull t-shirt Renan. D'ailleurs elle appelle ça un pull, elle dit comment, pull Renan, elle appelle ça un pull Renan. J'ai coupé un top Calcium et une jupe. Donc bref, je vous disais avant que mon téléphone coupe parce qu'il n'avait plus de mémoire, que j'avais finalement, je pense, créé plus d'encours que ce que j'en ai soldé.
Mais voilà, c'est comme ça, je pense que c'est ma manière de coudre, c'est ma manière d'être, je pense d'avoir des milliers de choses à faire, bien plus que j'ai le temps de les faire. Mais voilà, j'ai coupé, comme ça au moins, bah, après je vais coudre au fur et à mesure. Il est 3h15, donc je pourrais encore continuer à coudre un petit peu avant d'aller chercher ma fille à la crèche. Mais voilà, j'ai pas mal de choses à faire aussi. Pour la maison, j'ai voilà pas mal de choses à faire. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette session couture, session intense couture, voilà quasiment 3 jours avec moi dans mon atelier. J'espère également pouvoir vous tourner une vidéo sur ma table de coupe. Je pense que le plus compliqué, enfin pas le plus compliqué, mais le plus dur, ça va être de la libérer, enfin de pousser tout le foutoir qu'il peut y avoir ici. Quoique, il y a de fortes chances que je le prenne, que je le mette dans un coin, que je le tourne et que je remette le bazar dessus. Ça, c'est fort probable. Mais voilà, depuis le temps que je veux vous la montrer, je voulais aussi essayer de tourner un podcast. Bref. Maintenant, j'ai des heures et des heures de montage qui m'attendent. Je vais essayer de faire ça rapidement pour que cette vidéo ne sorte pas à l'automne prochain. Ce serait fort dommage, ce serait plus d'actualité et beaucoup moins spontané, je pense. J'espère également que le son ne sera pas trop mauvais. En tout cas, je m'en excuse par avance puisque bah, j'ai tourné sans le micro. Donc en fait, c'est le micro de mon téléphone qui capte le son. J'ai une pièce assez haute sous plafond, donc j'espère que ça résonne pas trop. Mais voilà, l'idée était vraiment de pouvoir faire quelque chose un peu sur le vif, voilà, de faire une sorte de vlog, de vous emmener avec moi. Donc voilà, je me suis dit si c'est à chaque fois pour perdre du temps à trouver le bon angle, la lumière, machin, enfin j'ai quand même essayé de cadrer et faire en sorte que vous voyez les choses. Hein. Mais voilà, je me suis dit si finalement je passe 10 minutes à chaque fois que je veux tourner une séquence, bah, finalement je trouve que ça perd son intérêt. Enfin déjà je perds du temps et puis je perds ça perd son intérêt du vlog. J'espère également qu'il ne durera pas trop longtemps. Je pense que j'aurai pas mal de choses à couper au montage. Mais bref, voilà. C'est quelque chose qui m'attend. En tout cas, enfin voilà, je pense que je ferai pas de bas ou trop, comment on appelle ça maintenant. Bref, j'arrête de dire eux. Je sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, j'ai été ravie de vous emmener avec moi pendant ces quelques jours de couture, de vous emmener avec moi dans mon atelier. Oui, en plus de la vidéo de tableau de coupe, je pense que j'essaierai de vous faire une vidéo de mon atelier. Là, par contre, ça nécessitera, je pense, un plus gros rangement, parce que je pourrais pas pousser le bazar, donc je tourne en plusieurs séquences. Enfin bref, voilà. En tout cas, je suis ravie d'avoir tourné cette vidéo. J'espère que le montage ne sera pas trop long. En tout cas, je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, à me laisser en commentaire ou autre. J'adore toujours échanger avec vous. C'est vrai que le temps me manque en ce moment pour tourner. J'avoue que le peu de temps que j'ai de libre, je préfère effectivement le passer à le coudre ou à faire autre chose que malheureusement à tourner des vidéos. J'ai beaucoup moins de temps en ce moment que je n'en avais l'année dernière. Enfin avant, voilà, avant la naissance de ma fille et avant d'emménager dans une maison. Mais voilà, j'espère en tout cas pouvoir alimenter régulièrement, enfin faire plus régulièrement des vidéos, même si c'est peut-être une fois tous les deux mois, bah, tant pis. C'est à peu près peut-être tout ce que je peux faire, mais en tout cas c'est toujours un réel plaisir de partager mes aventures couture avec moi et d'échanger avec vous. D'ici à ce qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. Je ne sais pas à quelle heure, quel moment de la journée ou de la semaine vous regarderez cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien, portez-vous bien, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Salut.